Ouais, c'est ça, genre j'ai déjà vu des clips de Zinzin, tu vois, donc imaginons à haut pourcent, t'arrives à trouver un upper, tu peux backer derrière. Bon après c'est une bonne connaissance du matchup, hein. Il faut savoir comment ça marche la substance par mort. Alors, bon, regardez, bah, comme c'est écrit là, c'est du loser quarter. Ouais. Et le gagnant affrontera le gagnant de Icewalker Yuno. Ok. Et le gagnant de ce match affrontera Axel. Et ben CBF qui se débrouille plutôt bien, hein. Est-ce qu'il a grillé son saut? Non, il l'avait pas grillé. Mais il avait plus de saut quand même. Il en avait un, mais 16. Franchement, ça c'est la spéciale de l'Obsa. Il commence en 7, il va se SD, c'est obligatoire. Après, tu verras, il va s'adapter. Force à Yoshi, on n'est pas ensemble. Ouais, vraiment. Moi aussi, j'ai un petit problème avec Yoshi, surtout Yoshi rose. Moi, j'ai un problème avec tous les Yoshi. T'as appréhendé tous les Yoshi, genre. Oh, mec, c'est quoi cette conversion? Genre, qui trouve ça vraiment? Upper Landing, il te donne. Upper Landing, ça peut être très fort, mais j'avais jamais vu Upper Landing Downer. Mais genre, à ces pourcentages-là, non. Ça, c'est CBF, vraiment. CBF, vraiment, CBF, il est. CBF, quelle légende. Je te jure, genre, ce mec, c'est. Je suis bien c'est... content qu'il soit revenu. Ouais, la même. Putain, c'est beau. Clairement, il joue donc, vraiment bien. Ouais, il met des. Il a, bah, en fait il joue bien et en même temps ses conversions elles sont vraiment stylées. Oui, genre. Elles sont en incroyable. Fait moi regarder ses BF jouer genre c'est pas chiant tu vois, genre il y a plein de Falco, je les regarde jouer et je me fais chier en deux secondes parce qu'ils font que des petites là genre. Non mais stylé aussi ça stylé. Ouais parce que stylé, je suis d'accord. En fait lui c'est marrant et triste à la fois. Il a le seum quand les adversaires jouent le match-up qu'il le campe. Ouais. Sauf que du coup lui quand les adversaires le campent pas, il fait des phases de gueudin. Ouais. Donc lui c'est vraiment beau à voir aussi. Mais en fait CBF oula, putain, aussi il n'y a pas forcément de problème avec le double saut j'ai l'impression. Oh, joli. Parce que justement il fait pas forcément up tilt upper qui est pas true, faut le savoir. Les deux up tilt sont true mais pas le upper. Okay. Et du coup Yox peut double sauter à ce moment là. Mais là lui ouais. Il fait des conversions qui up sont tilt, upper, plus exotiques mais ouais. qui je crois sont true. En fait. Et du coup, Yox peut pas faire grand chose contre ça. Ouais. On trouve le fer, on trouve pas le fer, malheureusement. On space mal. Ouais, c'est ça. Et donc, fait, ouais, c'est, là. Je pense qu'un upper ça aurait tué. Quoi. Ouais, là, clairement, un upper ça tue, mais faut déjà le trouver. Hein. Ok. Parce que, ouais, là, on sent que. J'ai vu l'interaction spaghetti, mais ils sont vite calmés. On sent que Yox est. Ouais, un je savais qu'il avait pas. Je sais pas pourquoi il aime trop les smash dans des situations comme ça. Bah, il prend zéro risque. Ouais, clairement, il touche, il gagne. Et puis. Joli magnifique. 3 stocks. Ouais, 3 stocks autoritaires, hein, vraiment, il s'est pas laissé faire du début jusqu'à la fin, hein, franchement. Bah, il y a un moment où Yox il aurait pu revenir à peu près parce que ben il avait déjà 100% sur sa stock, peut-être même moins, mais il a raté son confirme, c'est dommage. Mm-hmm. Bon, après, on sait que c'est un BO5, du coup, ben, il aura le temps de s'adapter et puis même de. D'être plus frais sur ses inputs, tu vois ce que je veux dire? Dans le match-up en tout cas, parce que parfois tu sais, il y a des match-up, genre tu vas penser que le mec il va éjecter, en fait il éjecte pas du tout là où tu le pensais et tu vas juste rater ton combo parce que ben c'était pas les bons pourcents, tu vois. Ouais. Et puis là, je trouve que c'est juste la DI et puis le fait qu'en fait le faire vraiment de Yox, enfin de Yox, de Yoshi. Yoshi il envoie un peu chez lui. Mais bon, ça donc, part sur. Maintenant on part sur Town. Ça peut bénéficier aux deux, je pense. Pour l'instant, ça bénéficie plutôt à Yox. Mais je sais pas si la top plateforme de Town est aussi haute que celle de Battlefield. Je dirais qu'elle est un peu plus basse. Mais tu peux quand même trouver des très bonnes conversions avec Falco. J'ai cru que ça aurait été un très bon reverse. Mais Yox avait gardé son double saut, il en était conscient. Et attention, ça va être dangereux. Iriko. Ok. Quasiment sans souci parce que à la relevée, ça pique. Ah, clairement, hein, donc là, clairement, avantage pour Yox dans cette game. Mais. Oh là là, le jeu est rivalisé. Bah, on trouve le kill, exactement. Bah, tu vois, hein, c'est ce que je t'avais dit. Genre, il se fait casser la gueule 3 stocks après ma game. Ouais. Après, au final, il arrive quand même à prendre la première stock dans la deuxième game. Et en plus de tout ça, genre, il a réussi ses confirmes et ouais. Il était mieux sur ses inputs, on va dire. Ouais, ouais. Maintenant, on va voir un peu comment il va. Oh, joli, il se marche. Il avait la bien gueule le saut. Mais on va voir un peu comment il va se. Il va se comporter. Ok. Oh la ride. Ah dommage, il a pas eu. Genre s'il aurait eu une deuxième tech chase, je pense là il aurait pu faire une dinguerie, genre vraiment. Mais on a trouvé quand même pas mal de pourcents. Ouais clairement. Et puis là, t'as pas approché, ouais, t'as clairement et puis ouais justement, on peut, voilà. On rebelle ride. Mais justement CBF qui galère un petit peu à approcher. Et c'est clair que Yoshi c'est pas forcément le plus simple à approcher. Et ça fait peur aussi un peu de l'approcher. Ouais, clairement. Oh, joli. Vraiment, c'était pas mal. Il avait son double saut. Mais pourquoi il essaie pas d'aller Ouais, c'est exactement ce que je me disais.
Il aurait pu soit essayer de remettre un autre Albi pendant le bid CBF, c'était sûr que ça l'aurait tué. Ouais. Ou alors juste peut-être mettre un air, un truc comme ça, qui aurait peut-être envoyé dans une tech. Mais au moins tu trouves un truc. Parce que là il a été passif, il a rien tenté pendant la Rico CBF. Et je trouve un smash. Pas qu'il ait trouvé quelque chose dans la trap. Cependant on trouve le kill. CBF qui a fait, je sais pas si c'était un miss input ou ouais, je sais pas vraiment, mais ça a pas touché du coup. Ok, bien joué. Et le donc, tilt. Yox qui trouve une phase, CBF qui trouve le back air, ça tue juste pas. Oh. Donc, quelques pourcents, mais là un petit back air, tu vois. Mais c'est vrai que Yoshi il est lourd, hein. Ah, on y pense pas forcément, mais il pèse son poids. Oh, il a... en fait, genre, je crois que son hardbox elle a shift un petit peu, du coup il a esquivé le smash, c'est assez drôle. Ah oui, bah c'est vrai qu'en fait avec CBF, avec Falco, tu peux juste mettre un fer et t'arrives direct sur la plateforme, tu risques rien du tout. J'avais pas pensé à cette partie là de town, mais c'est vrai que c'est pas mal. Je on trouve le F-tilt upper et Yox prend la deuxième game de stock. Ouais, franchement, bah... C'est pas dégueu. Première game c'était quelque chose d'autoritaire, deuxième game bah, c'est quelque chose d'autoritaire. Plutôt autoritaire, mais ouais, un peu moins. Un petit peu moins certes, mais quand même ça fait le taf. Bah là on le voit, il prend la game, le plus important c'est de prendre la game. C'est... Bah ouais. C'est ça, et puis là maintenant ben c'est à peu importe Falco, combien tant Falco, que tu prends la game c'est la map. Ouais, et ça va partir sur SBF ouais, compréhensible, mais ça va plutôt bien pour Yoshi aussi je dirais. Grand finale is... ouais s'il te plaît, le grand finale. Oh, c'est bon. On t'aime CBF, on t'aime, c'est pour ça que tu vois genre toute la commu veut te revoir plus souvent en tournoi, c'est parce que tu fais les bonnes musiques le grand finale. Non il a pas mis l'iode. Juste c'est dommage, nous on n'entend pas la musique du jeu je crois. Ouais, genre on a pas la musique. On a pas le son. Ouais, on a pas le son. C'est cool en vrai d'avoir le son. Ouais. Mais bon, ce qui est le plus important, c'est qu'on voit. Ouais, clairement. Yox qui tente toujours des trucs un peu spaghetti avec, début, ouais. Avec son side B. Game 3, il aime trop faire des side B. Genre. Ça me fait rire. En vrai, il a bien raison. Hein. En vrai, ouais. Tu sais son personnage, tu sais pas pourquoi il va faire ça, comment punir ça. Genre, c'est un coup personne ne le fait, tu vois. Ouais, et surtout. Même en dehors de comment punir, etc., tu t'attends juste pas forcément au fait qu'il le fasse, parce que personne fait ça. Mais pour l'instant, c'est oh, ça tue pas, CBF mais... qui a l'avantage et Yox qui a chargé, genre dans le 5 blocs uniques. Ça a failli tuer à 68. Hein. Et voilà exactement la super armure qui empêche complètement d'edge guard avec un fer, un truc comme ça. Même un backer. Allez, ça va trouver le titre, voilà. On attendait que ça. On trouve le pair. Peut-être que le backer était faisable, mais ça aurait été compliqué. Mais donc. Il est vraiment passion, CPF. Oui. Le regarde, il a tourné autour. Wow. D'accord. Ça, j'aime pas trop. Ouais, un peu bizarre. Clairement. Mais oui, là, clairement, CBF qui a retrouvé le rythme. Là, c'est lui qui est dans un bon momentum et Yox qui. Après, c'est pour qui galère un petit peu. Plus. Encore des confirmes. Cependant. Ben, faut le tuer quand même, alors que Yox là il met aussi quelques dégâts, donc deux fois moins de pourcents certes, mais faut quand même tuer. Oh là, là ouais, voilà, c'était un joli œuf. Ok, le shield, vraiment oui. Les passions. On dommage le père qui trouve. Pas le père. Là, le fer de Falco tuerait d'ailleurs, donc Oh là, le nerf, ouais, vraiment, mais ouais, là c'est compliqué. Ok, ouais, je vais faire dodge. Et on trouve le père. Je sais pas si c'est trop à certains pourcents, ça doit l'être. Mais alors le down tilt, tu toujours pas à 150, là c'est compliqué. Hein. Ouais là Yox fiche pour ses combos starter et CBF fiche ses kill move simplement. Ouais. Donc là il y aurait en gros down tilt up smash. Oh, le smash qui marche même pas c'est trop. Bah oui, mais lui. Et là il marche. Les gens parlent trop de Samus quand ils parlent de multi-hit qui connecte pas alors que Falco Ouais, faudra en parler un peu. En fait franchement le personnage pour moi qui a les multi-hit qui connecte le moins c'est Link, le pauvre vraiment. Link. Ouais Link c'est trop salaud mais en vrai il a été buff plusieurs fois pour ça mais franchement mec bah son up smash non plus il connecte pas super bien. Et puis même parfois alors, le père il disconnecte. Je vois très rarement les moves de Link pas connectés mais. Ben moi en tout cas j'ai vu que genre sur plusieurs patch notes genre il y avait eu des. Enfin genre Link il avait été. Enfin c'était même pas un buff en fait, c'était juste un fix sur les multi-hit. Genre il y a eu plusieurs fix sur les multi-hit et Link toujours il y avait tous ses moves genre multi-hit qui étaient patchés. Je sais que ben. Attends, cependant on trouve le downer. Et en vrai le downer de Yoshi il tape très très fort vers le haut. Hein. Il fait beaucoup de dégâts et il peut vraiment trouver un kill plutôt assez tôt.
Mais donc, Donner, pour moi, c'est. Et Allo pour ça, on peut aussi envoyer un tech chase. Donc, si tu atterris avec. Donc, ouais, voilà. Là, Yox qui, okay, à love. Nouveau, a changé le momentum. En début de game, c'est CBF qui était en avantage. Et là, c'est Yox qui prend l'avantage. Part dans l'autre sens. Ok, il est parti pour la tech chase, il a pas eu. Oh, le smash qui aurait pu. Vraiment, la dash attack, vraiment, il fallait pas. Juste pas prendre la stock, je pense. Vraiment, le faire. Le reverse avec le upper au landing en plus. Le upper de Falco est pas dégueu en reverse. Ouais, j'ai déjà. Il y a vraiment des situations dans laquelle dans lesquelles ça peut être vraiment pas mal de l'utiliser. On trouve pas le petit back air. Cependant, on trouve pas non plus le sabi. Je sais pas pourquoi il est parti pour un fer. Mais je pense qu'il a juste mis une faute. Ouais. Parce que clairement, surtout quand t'es dans une situation tendue comme ça, ça peut vraiment arriver de se dire c'est bon, je vais mettre mon back air et en fait tu te trompes, tu mets un fer. Côté dans l'œuf de Yoshi, tu prends moins de dégâts, on est d'accord. Je sais pas si tu prends moins de dégâts, mais c'est sûr que tu prends pas de knockback. Et là, on grabe les grabs de Yoshi qui sont pas connus pour être très bons. Ça fait le taf, mais ça combo pas vraiment, ça tue pas. Et on trouve le upper en ending. Le père de Yoshi qui tape très très fort. Celui-là il fait vraiment peur. Et du coup 2-1. Du coup 2-1 ouais. Je sais pas quand il y aura un setup de libre pour le triple M. J'ai trop envie de jouer. Bah je crois que là il y a un setup de libre. Alors j'ai pas vu sur quoi on part. On va le voir dans quelques secondes. Je crois sur SBF à nouveau, je suis pas sûr. Et donc là balle de match pour Yox hein. Clairement, ouais. Ouais, SBF de nouveau, avec la même musique encore. Et donc ouais, CBF qui souvent trouvait un bon début de game, et Yox qui arrivait à changer le rythme. Et donc on va voir si cette quatrième game, quatrième et peut-être dernière game, ouais, va continuer dans ce dans cette série-là, ou si CBF va réussir à maximiser son avantage. Pour l'instant, c'est le cas. On trouve le upper. Ça j'aime. Le down, throw down air. Oh, on trouve le back air magnifique. Joli, c'est au death. Ouais, en même pas 30 secondes. Mais attendez, parce que Yox il peut aussi le faire. Alors, l'œuf qui a fait un truc un peu funky sur la plateforme, j'ai pas trop compris, mais. Ok. Ah, il a voulu laser pendant le combo. Ça a niqué, ça a niqué. C'est Mengo. Mais donc, on trouve le fer. Ouais, c'est vrai que le fer casse l'œuf en fait. Je crois. Il a fait un reverse merde, c'était quasi du steam shot là, mais ils sont pas connectés, ça aurait été vraiment trop solide. Et oh là là, attention là, par contre, oh là, j'aime pas trop les attaques qui sont comme celle-là. Ouais, mais là il a mis un fer de Bowser. Ok, mais du coup, pas. Oh là 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 là. On se fait toujours pas taper le shield, mais attention, c'est CBF, il trouve le fer magnifique. Et là, bon les lead, hein. Je disais que. Que CBF trouvait un bon début de game, mais qu'ensuite Yox arrivait souvent à changer la tendance. Ouais. Ben là, justement, CBF arrive à bien garder ce qu'il faisait. Et hyper sec. Il s'est tué quand même, mais bon. Ouais. Il a toujours une stock entière d'avance. Et Falco, c'est pas connu pour avoir des combos qui font 2% quoi. Ouais, en vrai, t'as raison, hein. Je crois qu'il a 0 combo à quoi. C'est trop chaud. Il a grab, l'œuf il a ouais, accusé, mais il l'a lancé du coup. Ah mais peut-être que l'intangibilité c'est que quand c'est... il lance, ouais, c'est pas qu'il met le laser, c'est plus. C'est... Ouais mais du coup c'est bizarre. Ok ok. Ah ok ok. Parce non que alors de base il... c'est sur toute la truc. Ouais mais là comme justement okay, il ne lance plus mais juste un laser. Je pense que c'est plus considéré comme le grab. C'est juste considéré comme un peu un laser sauf qu'il le met en haut quoi. C'est dommage qu'il a pas trouvé de backer là, ça va être. Oui, mais même s'il a pas trouvé de backer instant, là backer up smash ça tue et. Et Yox ils ont encore pas mal travaillé pour trouver les kills. Alors par contre, CBF qui air dodge neutre souvent après le F-tilt, faudra faire attention à ça. En vrai pour moi Yox. Parce que Yox lui il a fait attention à ça. Genre là c'est le down tilt ne tue juste pas. Ah bon? What? My bad. Il a tué avec quoi? Down tilt. Le tilt ouais, je crois que ça a tué juste pas parce que j'ai vu la minimap. Et puis en fait il redescendait. C'était à cause du Star KO. Et donc. Donc 2-2, on part en last game. C'est... Franchement, si un jour le down tilt de Samus il est buff et qu'il est aussi fort que celui de Falco, je serais l'homme le plus heureux. Si un jour Falco il est buff et son up smash est aussi
fort que celui de Fox. C'est l'homme le plus haut. Avec le smash de Fox. Du coup, game 3. Mais par contre, faut savoir que le up smash de Falco est plus rapide que celui de Fox. Ouais, ouais. De une frame. Ça, j'étais. Enfin, genre, je savais que c'était équivalent. Genre, je pensais pas que c'était genre une frame pour bien jouer. Mais je savais que c'était assez. Après, une frame, c'est pas non plus ce qui va faire une énorme différence. Ouais, ça peut. Chaque ça peut. Chaque mais. Oui, oui. Mais c'est rare qu'une interaction se joue à une seule frame. Aussi. Ça peut arriver, mais. Genre, je crois que. C'est pas non plus j'ai gagné. Enfin, genre, oh, à la première frame, du coup. CBF qui a trouvé une belle phase avec ouais. Upper et Down B. C'est vrai que le Down B, on le voit souvent dans genre des clips Twitter, des trucs comme ça. Mais ouais, ça peut marcher aussi. Bah, clairement. Mais en effet, c'est, un move c'est pas non plus son meilleur move, quoi. Mais ça peut clairement servir à combo. Et aussi, si Yox essaye de up B à ce moment-là, bah, ça renvoie son œuf. Là, cette game est plutôt partie à l'avantage de Yox. Ouh, Wall Jump Downer, ça aurait pu très bien passer. Oh, ouais, ça tue. Ouais. Donc, ouais, là, cette game passe plutôt à l'avantage de Yox, mais. Mais faudrait déjà qu'il trouve le kill. Et à l'inverse, CBF lui aussi peut trouver le kill, donc. C'est jamais fini. Hein. Là, ouais, ça fait peur d'être au sud Yoshi. Oh, ok. Il a rien fait après le up tilt. Je pense qu'il savait que il trouve le back air. Et voilà, c'est exactement ce que je disais. Même si Yox a mis beaucoup plus de pourcent, ben là il arrive pas à tuer alors que Falco lui a réussi à tuer. On trouve quelques lasers, forcément, c'est Falco. Faire œuf. Ok. Il est mort ? What? Il allait vers le bas. Il était sûr de Pareco, donc autant pas essayer d'aller vers le haut. Le grab la down throw, ça mène à rien parce que je crois pas qu'il ait un seul trou combo à partir d'un grab. On trouve le fer, très bon outil de Falco. Hein. Bah, je dirais un peu son meilleur aérien d'approche parce que ouais, ça joue un peu avec le nerf, mais ouais, les deux peuvent dépendre selon la situation. On a tenté le F smash, on se fait un peu punir, mais ça va. Up tilt, back air, c'était sur leur spot malheureusement. Mais là toujours CBF en avantage sur Yox. Mais comme c'était avant Yox en avantage, bah là clairement on peut très bien partir dans la situation inverse aussi. A savoir Yox peut trouver le kill avec toute la rage qu'il a et CBF peut avoir des problèmes pour tuer. Là un down tilt tuerait par contre. Je sais pas si le down tilt ça tue. Si down tilt sweet spot ça tue. Ok. Ah, je savais même pas qu'il y avait un sweet spot. Oui, en fait, plus t'es. Si t'es loin de lui, tu te prends le sour spot. Qui tue. Ok. Non, et. 20% de différence. Je sais pas. Okay. Mais ça tue moins, forcément. Ok. Et si t'es collé à lui. What? Il l'a même pas mis de coup, il est mort dans la blast zone. En fait, il a eu trop peur. Ouais, voilà. Il a voulu drift away pour pas se prendre son fer ou je sais pas quoi. Et je crois qu'il a là, tellement drift qu'il allait dans la zone. Et là ça va être difficile parce que à bas pourcent Yoshi parce ça que fait là Yox ça ouais. Il va vraiment de... là il va à bas pourcent Yoshi ça fait peur. Et Yoshi à haut pourcent fait peur. Ouais clairement parce mais que là sur. Il a fait le break là, je sais pas si il était mort. Voilà, bah ça c'était fou. J'imagine que c'est le spot. Oui. Mais je pense même là le sort spot il aurait tué avec lui. Ouais possible. Oh là là, ça là ouais, on trouve une belle conversion, 60%. Oh, oh joli, oui, il a tapé le down B et le up B en même temps. Ok, on trouve une bonne phase, back throw, rien. Tout peut jouer sur cette interaction. Non, Yox a préféré rester safe que de tenter d'aller off stage pendant un river. On trouve le down air. Oh. Yox il gagne. Il a mis un river genre. Ouais, c'est vraiment. Genre, what? Ouais, c'était...